Bonjour. Voici le tarot Shōzen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé. Les prochains tirages des filles seront dorénavant cette variation du tarot Shōzen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions. Je vous remercie parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15$. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord. Mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shōzen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique, ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes, et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres, j'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages des filles, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot, a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment, et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté, et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. À tout de suite. Voici votre tirage pour ce mois de septembre. Ami Cancer. Au sein de la sagesse des rhumes cachés est sortie la rêveuse éveillée. Tout votre tirage vient parler de rêve. Il vient parler de décision, mais il vient surtout parler de rêve. Vous avez en effet au centre les étoiles et juste au-dessus le soleil. C'est une décision qui doit donc ça me frappe à présent, éveillé. Oui, c'est une décision qui doit vous révéler à vous-même que vous devez prendre. C'est une décision qui doit être alignée sur vos rêves, sur votre bonheur. Et la rêveuse éveillée souligne à quel point notre monde moderne nous a fait perdre le fil, le relais, ce qui nous relie vraiment profondément à ce que nous sommes. La rêveuse éveillée vient souligner que bien souvent, on s'interdit de poursuivre nos rêves, alors que cela devrait être le fondement même de toutes nos décisions. C'est pour ça qu'elle vous parle d'éveil, cette rêveuse. Elle vient vous rappeler que votre existence a un but, que vous avez un destin, et que vos décisions doivent être prises en fonction de cet appel que vous ressentez. En fonction de vos rêves et de votre bien-être, tout simplement. Et donc des projets qui permettent de progresser dans cette direction. Votre tirage, alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé lors des tirages des filles, puisque j'avais fait un tarot Shōzen avec quelques modifications, puisque j'utilisais des jeux différents. Votre tirage vient parler de votre rapport à l'autre. Il vient souligner que vos projets sont forcément tributaires de l'autre. On a des chevaliers ici. On a des chevaliers, on a deux fois la reine de bâton.
Et c'est ce que vous voulez entreprendre, c'est ce que vous voulez réaliser, c'est les possibilités que vous voyez dans la situation qui vont être importantes dans ce tirage. Votre réflexion, vous devez trouver une réponse à votre réflexion. Le 4 d'épée est sorti à deux reprises aussi. Et la suite de vos projets est en jeu. Vos projets, ils ont déjà progressé parce que ici, on a un état de fait. Chevalier de bâton, le diable, le 5 de coupe et le 3 de bâton. C'est-à-dire que malgré vos regrets, cette ligne montre que vous avez progressé, que vous avez avancé en direction de vos objectifs. En conservant tout de même certains regrets qui sont liés peut-être à une personne, chevalier de coupe, 6 de coupe, peut-être à des circonstances, la lune, chevalier d'épée, dans lesquelles vous n'avez pas pu agir comme vous l'auriez voulu. Toujours est-il que 9 de pentacle, roi de coupe, char, reine de bâton, ici on a quelqu'un qui progresse, on a quelqu'un qui évolue. La reine de bâton ressort et elle vient après le char. À mon sens, au vu des cartes qui se trouvent au-dessus, ici c'est l'autre, cette reine de bâton. Ici c'est la personne avec laquelle vous vous êtes épanoui, avec laquelle peut-être la personne que vous avez rencontrée en progressant. Ou c'est une personne qui a changé, possible aussi. Ça a l'air de très bien se passer avec cette personne. Reine de bâton, étoile, soleil, 2 de pentacle, 4 d'épée. Maintenant, vous réfléchissez à la suite, à ce qui est constructif dans cette relation. À ce que cette reine de bâton a envie d'entreprendre et forcément ce que vous voulez entreprendre. Parce qu'ici, c'est le roi de coupe qui doit prendre une décision. Alors peut-être est-ce votre cœur qui doit prendre une décision sur ce que vous voulez entreprendre, mais ici, il y a la peur que la décision soit en rupture avec cette reine de bâton. Le char, le 4 de coupe, la tour. Ici, il y a quelque chose qui progressait et qui s'arrête brutalement à cause d'une décision. C'est pour ça que vous reconsidérez avec attention la décision. Et ici, il y a une offre. 8 de bâton, chevalier de coupe, la lune, 8 d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas arrivé à offrir ce que vous vouliez dans cette situation ? C'est pour ça que vous avez des regrets. Parce que il y a des choses qui ont progressé, il y a des choses qui vous épanouissent, mais vous n'avez pas pu mettre en œuvre ce que vous vouliez réellement. Les circonstances vous ont empêché d'aller jusqu'au bout de quelque chose, vous ont obligé de reporter certains projets. Mais j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un de l'extérieur, 8 de bâton. Que c'est quelqu'un qui vient vous proposer un nouveau projet. Parce qu'au-dessus, on a quelqu'un qui étudie la situation. As de bâton, 6 de coupe, chevalier d'épée, page de pentacle. C'est comme si vous aviez progressé depuis une situation dans laquelle vous regrettez un certain nombre de choses. Vous aviez progressé dans un univers différent. Et que là, cet univers que vous avez laissé derrière vous revient, que le passé revient. Peut-être que certains de vous auront des messages du passé. Parce que le diable, le chevalier de coupe, le 6 de coupe, c'est quelle place vous avez à offrir, finalement. Quelle place pour au sein des projets ici qui évoluent, au sein des choses qui progressent, soit avec quelqu'un d'autre, soit plus littéralement dans vos projets. Ici, il y a un nouveau départ. Ici, on a un 2 de pentacle au-dessus de cette reine de bâton auquel vous réfléchissez. Et ici, à mon sens,
Chevalier d'épée, page de pentacle, on réfléchit à la réponse qu'on va donner, on réfléchit à la solution, et c'est là qu'il y a des difficultés. Est-ce que ça s'aligne? 3 de bâton, 8 d'épée, page de pentacle. Est-ce que je peux remédier? 5 de coupe, lune, chevalier d'épée, est-ce que je peux remédier à mes regrets? Est-ce que je peux refaire des projets dans un domaine qui a occasionné des regrets ou avec une personne qui m'a donné des regrets? Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Chevalier de pentacle, as d'épée, 4 de coupe, 2 de pentacle. C'est-à-dire que là, il y a une offre, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que les circonstances évoluent. 8 de bâton, lune, 8 d'épée. Ce chevalier de coupe-là, il est prisonnier de quelque chose qui ne le satisfait pas, qui ne lui plaît pas. Que ce soit vous qui recevez une offre, ou que ce soit vous qui en faites une, qui devez en faire une, quelle que soit la formulation ici. Ce chevalier de coupe, il est enchaîné aux autres. Et il peine à décider comment remédier à ses regrets, comment remédier à ce qui n'a pas progressé par le passé. Et ici, il y a cette temporisation. J'ai une décision à prendre. Vous avez d'ailleurs l'as d'épée comme défi, c'est votre grand défi ici, c'est de prendre une décision éclairée concernant vos rêves et vos projets. Et puis on a un 4 de coupe et on a 2 de pentacle, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui ajourne le 4 d'épée. Au-dessus du 2 de pentacle, on a le 4 d'épée. On a quelqu'un qui se dit 3 de coupe. Jugement, tour, 4 d'épée. Le 3 de coupe ici, il est au-dessus du 9 de pentacle et du chevalier de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a clairement eu une progression. Il y a clairement eu une situation où, avec regret, on doit peut-être abandonner des personnes, on doit abandonner des projets, on doit passer à autre chose. Hein. Le 3 de bâton, il vient sur les regrets pour dire « bon, je ne peux pas régler ça ». Donc je vais plus loin, et d'aller plus loin me propulse en avant. 9 de pentacle, roi de coupe. On passe d'un chevalier, on passe de quelque chose de difficile à un roi de coupe qui avance, le chat, qui devient ou qui s'unit à une reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'est pas important, ce sont des archétypes. Et ce 3 de coupe, il vient dire que tout ça, ça vous plaît, là. Il vient vous dire que... ça a été difficile, mais que vous avez obtenu quelque chose qui vous plaît. Et roi de coupe, as d'épée, jugement, oui, je veux bien décider, je veux bien prendre une grande et même une belle décision. Hein. Il est question de mes rêves, il est question du soleil, mais ça va provoquer une catastrophe. Le char, le 4 de coupe et la tour. C'est-à-dire que dans votre esprit, quelle que soit l'offre qui est ici, elle va provoquer une catastrophe. Elle va mettre fin à la joie, au plaisir que vous pouvez avoir dans une situation, à l'épanouissement qui est le vôtre. Peut-être que vous avez l'impression qu'en prenant cette décision, vous cessez de travailler à vos rêves et à votre bonheur. Ici se trouve la clé de ce tirage. Ici se trouve l'ajournement. Ici se trouve votre refus de prendre une décision. Mais votre défi, c'est de prendre une décision. Et c'est de prendre la meilleure décision possible. La rêveuse éveillée parle du plus grand bien, parle d'ailleurs du bien collectif, hein, vous le voyez écrit sur la carte, parle du fait qu'il y a des absolus, qu'il y a des décisions, c'est pour ça que le tarot Chosen en parle comme d'un éveil, qui... certes révolutionne notre vie, mais qui nous permettent d'être alignés. Il y a vraiment un alignement ici. Même si la reine de bâton, ça peut être une autre personne avec laquelle vous faites des projets, et ici vous commencez à vous dire « oui, mais si je me lance, si j'accepte cette offre, bon, certes, je remédie à mes regrets, certes, 5 de coupe, 6 de coupe, je passe à autre chose, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez peur de ce qui pourrait se passer dans ce que vous faites déjà. »
La rêveuse éveillée vous dit de prendre la décision la plus idéale, la plus utopique. Celle qui vous fait rêver, celle qui vous met dans cet état de bien-être que l'on trouve dans le soleil, où l'on se sent à sa place, où l'on se sent la personne que l'on doit être, parce que c'est aussi cela l'éveil, où on est épanoui à être soi-même. Le 9 de Pentacle, l'As d'épée, ce soleil ici, qui vient sur les étoiles. 3 de Pentacle, justice, reine de coupe, 5 d'épée. Ici, c'est cette reine de coupe. Alors, est-ce que vous ajournez parce que vous vous dites « c'est des choses que j'avais envie de faire moi, vous avez une offre, c'est des choses que j'avais envie de faire moi, mais à présent, avec cette reine de bâton, que on a à nouveau un couple ici, hein, reine de coupe, roi de coupe, est-ce que cette reine de bâton va me suivre dans cela ? Est-ce que notre collaboration ne va pas prendre fin ? Vous avez un 2 de pentacle ici. Et là, vous réfléchissez avant de passer au 3 de pentacle. Vous pouvez avoir des doutes sur la capacité d'une personne à vous suivre dans cette nouvelle offre. Vous avez toujours voulu, on reprend mon bon vieil exemple, je le développe chaque jour à présent, vous avez toujours voulu vivre au nord, vous voulez ouvrir un magasin de ski, ce qui vous plaît c'est l'atmosphère, vous voyez, polaire. Vous aimez ça, vous aimez le froid, vous aimez la neige, vous aimez les soirées au coin du feu, etc. Et vous avez dû partir au sud parce que vous n'aviez pas le choix, vous y avez développer des choses qui vous plaisent, et à présent vous avez une offre qui vous dit il y a le magasin de tes rêves à l'endroit de tes rêves qui cherche un gérant ou qui est en vente. Enfin, vous avez une offre qui vous dit ça y est, c'est le feu vert pour aller dans la direction que vous avez toujours voulu aller. Il est possible que ce soit ça et que vous vous disiez mais la personne que j'ai rencontrée au sud est allée au sud parce qu'elle aimait le sud. Et les projets, c'est une personne qui ne me suivra pas dans mes projets. C'est une personne avec laquelle je ne peux pas m'associer dans cet univers-là. Et vous vous dites, oui, j'ai toujours aimé le Nord, mais là, je suis très bien où je suis. On peut avoir ça, on peut avoir un espèce de constat. Je ne peux pas vraiment trancher, parce que si je tranche, ben, ça veut dire que je vais voir quelqu'un en lui disant, bon, là, on faisait des projets, j'étais bien au Sud, je me sentais à ma place, mais il y a le rêve de ma vie qui arrive. Et je veux partir au nord, et vous avez conscience que ça va être une catastrophe. Une conscience que l'évolution ne sera plus possible dans ce que vous avez mis en place par ailleurs. Il est aussi possible, parce que vous ressortez... ici, en roi de bâton. Il est aussi possible que ce soit une autre personne. Parce que j'en reviens à ce chevalier de coupe-là. Il a quelque chose à offrir avec un 8 de bâton. Quelque chose de mystérieux, la lune. Quelque chose de karmique. Quelque chose, en tout cas, qui vous tracasse. Quelque chose qui se relie à ce que vous vivez avec les autres. Le diable et le 6 de coupe encadrent ce chevalier de coupe. Donc, il est, on va dire... très mal aspecté. Autant de ce côté-ci, du côté où se trouve la reine de bâton, et cette reine de bâton semble idéale, il y a quelque chose qui se construit, auquel vous réfléchissez, que vous ne voulez pas briser. Autant ici, on a un chevalier de coupe, donc la personne qui fait l'offre, 8 de bâton, lune, cette offre en elle-même a une essence qui se rattache à des regrets. Vous y voyez des solutions, mais ça vous rattache à un piège, à quelque chose qui a été difficile. Alors c'est vrai que vous pouvez guérir du piège et passer à autre chose. 5 de coupe, 6 de coupe. Mais ça vous tracasse. Ça vous tracasse pour la suite. Et ici, on a un 3 de coupe. Donc, ça se passe très bien. Ici, on a une appréhension que ça se passe mal. Donc il est possible pour certains d'entre vous que ce soit une personne du passé qui vient vous taper sur l'épaule en disant « ça y est, cancer, je suis prêt ou prête à vivre ceci avec toi ».
Et vous vous dites, oui, mais c'est plus la personne de mes rêves. Ou si je m'investis avec cette personne, j'y perdrai une autre personne. Ici, il y a un mécanisme de choix. Quand j'aurais envie de dire, c'est pas tellement le choix pour la suite, c'est le choix de qui va m'accompagner pour la suite. Et c'est ça qui vous immobilise. C'est pour ça qu'on a les étoiles et le soleil au-dessus de cette reine de bâton. Parce que sur le papier, tout est parfait. Tout est parfait. Il y a de l'épanouissement, il y a des choses qui progressent. Il y a même une nouvelle offre. Bon, une nouvelle offre, ça peut toujours être inquiétant, mais les luminaires ici qui ont l'exclusivité, je dois dire, c'est les étoiles et le soleil. Le tarot Shōzen, ici, il est directeur du tirage. Alors, il y a une autre arcane majeure qui sort, c'est la lune, pour dire Joker. C'est pour ça que la rêveuse éveillée vous recommande de faire un choix conscient, un choix qui corresponde à votre plus grand bien, à ce qui, en vous, a toujours vibré, a toujours fait sens dans votre esprit. Ce qui, à vos yeux, a toujours semblé comme une évidence. Ici, vous devez rechercher l'évidence en vous. Ce sentiment de bien-être qui vous mettra à votre place. La réponse, elle est au centre. Vous êtes manifestement en train de rêver de quelque chose, déjà. De quelque chose qui vous met à votre place, d'une manière ou d'une autre, d'emblée. On passe d'une énergie difficile à une énergie positive et prospective. Oui, prospective parce qu'il y a le chat. On peut dire ça comme ça. Vous avez les possibilités ici. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez la suite de quelque chose. Vous avez sans doute une décision qui est prise et qui est constructive. Le magicien, le roi de bâton, le pape et la force. Voilà pourquoi j'ai l'impression que c'est une offre venant de quelqu'un d'autre ici. Sans doute de quelqu'un d'équivalent, c'est une reine de coupe, donc ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une espèce de dépendance affective, le 6 de coupe, avec laquelle il y a un lien karmique, hein, parce que on a le diable qui s'associe au 5 de coupe, et qui s'associe ensuite, à cette lune, à ce 6 de coupe, et le chevalier de coupe et le chevalier d'épée, ici c'est la tête et le cœur qui se bagarrent. Il se bagarre sur le sens qu'a cette relation, ou ces relations. Ici, il y a quelque chose qui guérit. Il y a quelque chose qui guérit et qui libère de la force, qui libère de l'énergie. Magicien, roi de bâton, pape, la décision, elle est prise. On passe à l'action, on n'attend plus. On a ce roi de bâton qui décide de quelque chose. Et empereur et tempérance sont contenus dans ce roi de bâton. Ici, on choisit les projets, le 2 de bâton. Ici, on choisit ce qui peut nous permettre d'aller en direction de nos rêves et ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet d'être dans ce bien-être. Ici, le bien-être, il y a un absolu avec ce bien-être. C'est l'aiguille de votre boussole pour décider de la direction où vous voulez aller. D'ailleurs, vous avez la force ici. 8 et 5, 13, il y a une transformation. 14, tempérance. La force ici, elle peut vouloir dire que vous saisissez le karma à plein bras, oui. Que vous saisissez le karma et vous décidez en votre âme et conscience. Il y a quelque chose qui est guéri. Hein. Même si vous décidez d'accepter cette offre que vous fait la lune, le diable est guéri par la présence du pape. Vous pouvez sortir du cycle, vous pouvez sortir du piège, vous pouvez en finir avec des regrets. Donc il est possible que certains de vous décident d'affronter la situation ici et de trouver un moyen d'en faire ce que vous voulez. Et il est aussi possible que ce roi de coupe décide que
Il ne veut pas d'une reine de coupe, qu'il veut d'une reine de bâton, et que le moment est venu de devenir un roi de bâton. Et de ne plus temporiser, mais bien de passer à l'action. C'est vous qui décidez. Choisissez en votre âme et conscience. Choisissez le meilleur indicateur pour vous dire que vous avez fait un bon choix. Un bon choix, ça ne se regrette pas. Si votre choix, vous faites votre choix de manière éveillée, de manière consciente, votre choix doit effacer vos regrets. J'ai eu à nouveau l'occasion, ça ne m'intéresse plus, je passe à autre chose. Vous lâchez prise. C'est terminé, j'ai plus de regrets dans ce domaine-là, ça ne m'intéresse plus. Ou au contraire, j'ai des regrets, je veux y remédier, je veux soigner la situation, peut-être soigner une relation, peut-être mettre enfin en œuvre des projets que vous aviez avec d'autres personnes et ne plus regretter de ne pas avoir eu l'occasion de le faire avec eux. Ici, le plus dur, ça va être de lâcher prise. 8 de coupe. Mais magicien, roi de bâton, pape, force. Votre décision va vous faciliter le lâcher prise. À partir du moment où elle est prise en direction de ce que vous désirez et de ce que vous êtes, ça va très bien se passer. Alors, c'est quelle carte qui est tombée ? L'alignement. Au fond de vous, vous avez la réponse. Oui, j'ai peut-être pas assez prononcé ce mot-là. Elle vient de me le rappeler. Au fond de vous, vous savez sur quoi vous êtes aligné. Vous savez ce qui vous épanouit, vous savez ce qui vous fait progresser, ce qui vous fait avancer. C'est quelque chose que nous portons en nous. Et c'est ce que la rêveuse éveillée et l'éveil veulent que vous trouviez en vous. Cet appel qui vous montrera quel est le prochain bon pas à faire. Prenez du recul sur les opportunités que vous avez reçues. Prenez conscience que vous êtes béni d'opportunités, que l'univers vous offre toujours des moyens de déployer vos ailes, de devenir la meilleure version de vous-même, ce dont vous parle aussi la rêveuse éveillée et l'éveil. Donc prenez du recul. Quels sont vos objectifs? Où se situent vos rêves? Où se situe votre épanouissement, votre bien-être? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à votre place et que vous vous sentez aligné sur ce que vous êtes? Il y a des choses qui changent dans le sens que vous allez recevoir un coup de main qui va changer les choses. Peut-être qu'ici, il y a vraiment une offre qui vous permet de remédier à des regrets du passé, de restaurer quelque chose. Mais peut-être que vous avez besoin de ce coup de main et que vous avez peur de demander de l'aide aussi. Si c'est le cas, le coup de main va venir. Le coup de main va venir et va vous aider, va amener une évolution. Le vent va tourner. Le vent va tourner du fait de ce coup de main. On a une carte de réciprocité, hein, a leg up. C'est-à-dire que vous recevez un coup de main parce que vous-même, vous en avez donné. C'est un mouvement perpétuel qui est dans cette carte. Et ici, on reçoit ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Faites taire vos doutes. Prenez le temps de reconsidérer les grandes lois de l'univers. Parce qu'elles sont toutes reliées entre elles. Vous ne pouvez pas avoir d'abondance sans gratitude. Vous ne pouvez pas avoir d'attraction sans intentionnalité. Le cycle, les cycles, l'évolution de l'univers est soumise à des lois. Ces lois sont autant de raisons de trouver la paix. Faites la paix avec ce qui est et qui ne peut être changé. Faites la paix, peut-être aussi, c'est peut-être là que vous pourrez lâcher prise, avec vos regrets. Avec le fait que, à un moment donné, vous vouliez faire une chose, vous n'avez pas pu pour une raison X,
et que cet instant-là, il est passé. À présent que vous vivez au sud, le nord ne vous intéresse plus. Bah, faites la paix avec ça. Oui, vous n'avez pas pu donner libre cours à votre rêve de vivre quelque chose. Hein, c'est pour ça que je prends toujours cet exemple. Dans ce froid polaire dont vous avez toujours raffolé. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes à présent dans un endroit où il fait chaud, certes. Vous en avez marre des moustiques et vous vous lamentez sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de clim, parce que sinon, on détruit un peu plus la planète. Mais vous vous sentez tout de même bien à votre place, malgré les inconvénients. Ici, il faut faire la paix avec quelque chose. Ce pape vient dire qu'on guérit d'une situation, parce qu'on a décidé qu'on voulait mieux, qu'on voulait aller plus loin. Là, il y a à nouveau un appel à considérer les options qui s'offrent à vous, à les considérer d'un point de vue constructif, en ayant bien conscience que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et que si vous voulez construire quelque chose de solide, autant faire des choix qui vous amènent dans là où vous voulez aller, qui vous permettent de construire ce que vous désirez construire. Là, on a à nouveau un appel à l'alignement. Avoir des choix n'est pas un piège. Ça, il faut que vous cessiez avec ça. L'univers vous donne des choix tant que vous n'avez pas pris une décision ferme et définitive. Dans les relations, à chaque fois que quelqu'un qui vous rend malheureux, vous avez quelqu'un qui vous rend malheureux par cycle. C'est-à-dire qu'au début, c'est une personne que vous aimez, donc vous passez du temps avec elle. Enfin, il y a des personnes qui parlent des personnes toxiques qui font des longues vidéos dessus, donc allez voir, renseignez-vous. Mais vous avez des personnes voilà, qui vont au début être charmantes, être agréables, puis à un moment donné, elles vont commencer à vous faire du chantage, elles vont commencer à être possessives, elles vont commencer à être jalouses, elles vont commencer à être méchantes, elles vont vous empêcher de progresser. Et vous dites, ça suffit, je ne veux plus voir cette personne. Très bien. Et vous reprenez votre vie normale, vous vous épanouissez à nouveau, parce que ça peut vraiment être le cas de figure ici. Et puis un jour, cette personne vous envoie un petit texto. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu me fais encore la gueule pour l'autre fois? Tu sais, je suis désolée. Nini, nana. Et vous laissez à nouveau cette personne rentrer dans la vie, et le cycle recommence. Là, vous êtes dans un schéma. Cette personne n'est pas ce qu'elle semble être. Cette personne, la leçon, c'est qu'il ne faut plus laisser cette personne rentrer dans votre vie. On a des âmes sœurs comme ça, c'est leur poser des limites, c'est leur poser un non ferme et définitif, déjà qui les éduque. Il y a ce que je suis, il y a ce qu'est l'autre, et je dois respecter qui est l'autre. Et en plus, vous... ça vous permet de définir ce qui est réellement important pour vous, la direction que vous voulez prendre. Quand on se retrouve dans ce type de carte, on va dire ça comme ça, Never Ending Story, ici on refuse d'apprendre sa leçon. Donc forcément, on a l'impression à chaque choix, ah non, encore. Encore le même problème, encore les mêmes difficultés. Et ici, oui, on cultive les regrets parce qu'on est prisonnier. Ici, ce tirage, il vous dit, libérez-vous définitivement de ce piège. Ce tirage, il vous dit de rompre le cycle. Il vous dit de faire des choix différents. De faire des choix conscients, éveillés, en fonction de qui vous êtes et où vous voulez aller. C'est là que la leçon sera apprise. Et c'est là que vous prendrez une nouvelle direction. Et cette personne ne se permettra plus de revenir... vous empoisonner d'une manière ou d'une autre. Et d'autres personnes viendront sur votre chemin. Des personnes qui respecteront vos limites et qui auront autre chose à vous apprendre. Vous êtes dans un entre-deux. Plus vous décidez
d'aller en direction de ce qui est important pour vous, de ce qui, dans votre esprit, vous ferait décrocher la lune et vous permettrait de vous accomplir. Et plus ce nouveau cycle sera bénéfique pour vous. C'est à vous de décider de sortir de cette zone grise et de vous diriger vers la lumière. C'est vous qui prenez la décision. L'univers a tout ce qu'il faut pour vous, tout le long du chemin. Mais c'est à vous de décider du changement. C'est à vous de décider que vous allez décrocher la lune. Et automatiquement, vous vous mettrez en route pour ça. Allez, vous vous faites confiance et... C'est vrai qu'on dit souvent que les cancers ont... on dit de vous que vous êtes le signe le plus matériel du zodiaque, donc vous avez peut-être du mal à imposer ici des limites, du mal à affirmer vos envies. Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit ici. Il y a une leçon, hein. Il faut trancher avec quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. C'est cet éveil. Il faut comprendre. Non pas retourner le sablier en disant « bon, on réessaye ». Je réessaye telle personne, je réessaye telle situation, je réessaye de changer quelque chose que je regrette. Mais la leçon, elle sera toujours là. C'est vous, ici. C'est vous qui pouvez décider que le moment est venu de déployer vos ailes et de travailler en direction de ce qui est important pour vous, de ce que vous êtes réellement. Et non pas de ce que vous subissez. Donc dites-vous bien que les choix qui vous sont offerts ne sont pas là pour vous faire du mal. Ils ne sont pas là pour vous empêcher de progresser. Ils sont là au contraire pour vous faire comprendre dans quelle direction vous devez progresser. Vous faire prendre conscience. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.